avec You et puis on réitère ce qu'on a fait hier. Ok ? D'accord, pour être prêt pour 10h. Ok les gars ? Allez, 2 minutes, allez, vite, c'est parti les gars. Allez, concentrez, appliquez. Glissez-vous. Hier contre Amiens les 19 ans et aujourd'hui les U16. Hier une découverte pour l'ensemble du groupe parce qu'on a voulu tester un nouveau schéma tactique qu'ils ne connaissaient pas. Donc avec un bon début de match et une fin difficile où on perd 4-3, mais en tout cas on a vu des enseignements. Et ce matin une bonne opposition de notre part où bon, sur leur seule occasion ils marquent. Mais enfin en tout cas le but c'était de voir 28 joueurs avec 5 nouveaux. Donc certains ont marqué des points, c'est toujours pareil. C'était le dernier rassemblement où on pouvait se permettre de voir des nouveaux joueurs parce que dès le mois prochain, fin septembre, nous recevons le Pays de Galles qui sera préparatoire au Tour Qualif en Macédoine du Nord. Donc maintenant, on passe à réduire le groupe et à faire les bons choix pour être préparé ce Tour Qualif de la meilleure des façons. Ça passe par 2 tours avant d'aller au Championnat d'Europe en Hongrie. Donc on aura le Pays de Galles qui sera préparatoire avec 2 matchs fin septembre, puis le Tour Qualif en Macédoine du Nord où on jouera la Macédoine, l'Islande et le Luxembourg. Voilà, il faut finir dans les 2 premiers pour basculer sur l'année 2023 parce qu'il y aura une grosse coupure. Il n'y aura pas d'international parce que la Coupe du Monde est cet hiver et on se retrouvera en janvier pour préparer le Tour Elite dont je ne connais pas encore les adversaires puisqu'il faut se qualifier sur le premier tour et qui sera lui aussi, il va falloir finir dans les 2 pour se donner l'envie d'aller au championnat d'Europe et ce championnat d'Europe il faudra finir demi-finaliste pour se qualifier pour la Coupe du Monde U18 donc de beaux objectifs pour la génération en tout cas.